Votre hara est un véritable oiseau rare. C'est vrai? Mais il ne sait même pas voler. L'instinct naturel reprend toujours le dessus. Attends, ah Blue n'est pas un oiseau comme les autres. Presque toujours. En fait, il est unique en son genre. Le seul autre hara de couleur bleue est à Rio de Janeiro. T'es là pour le carnaval? En fait, je suis là pour rencontrer une jeune fille. Je vais te filer un conseil. Les brésiliennes, elles craquent pour les mecs qui l'assurent. Oh, ouais, tu gonfles bien le poitrail. Tu plisses bien les yeux. Genre, regarde Killer, comme le faucon. Ah, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Tu me marches sur la gorge. Hein? Le regard de Killer. Oh, et tu fais quoi, là? On se connaît même pas. Par les créateurs de l'âge de glace. Tiens, salut. Les deux dernières à de cette couleur, ça doit valoir des thunes. S'il vous plaît, délivrez-moi. Délivrez-moi. Faites vos cauchemars. Oh, oh, ouais. Attends, et tu fais quoi là? Je me tire d'ici. Je sais pas voler. Il y a autre chose que je devrais savoir. Je sais pas voler, je me cure le bec, et quand ça me prend, je fais pipi dans le lavabo. Retrouve-les-moi, Hector. 20th Century Fox présente. Bonjour, jeunes gens. Il y a deux haras quelque part dans le coin, j'ai besoin de vous pour les retrouver. Vous deux, vous venez avec moi. Dans tes rêves de babouin. Les oiseaux contre les singes. On m'a l'air bien pressé. En avril... Blue, il a enlevé Perla. Un oiseau va devoir trouver... Décollage. Tu vois, Blue, tu voles. Enfin, presque. Qu'il est capable de prendre son envol. Allons délivrer Perla. Rio. Il est temps de passer au stade supérieur. Oula, ça craint. Le 13 avril au cinéma.